Bonjour, je suis Hanoum Bouéké, je viens de Colmar. Je suis en Master 1 Marketing et Relations Clients et je suis là aujourd'hui pour la rencontre des étudiants entrepreneurs d'Alsace. Mon parcours avec, je vais dire, le statut étudiant entrepreneur vient juste de débuter. Je l'ai eu il y a environ 3 mois. J'ai été beaucoup accompagnée par la pépite Etena, qui est chargée d'accompagner justement les étudiants entrepreneurs. Et on a eu plusieurs séances lors d'un parcours qu'on appelle Émergence, où j'ai pu approfondir des recherches par rapport à mon projet et enfin essayer de faire le point par rapport à où est-ce que j'en suis et où est-ce que je vais. Moi, mon projet, il consiste à faire de l'e-commerce. C'est une boutique en ligne de vente d'ustensiles de cuisine, des ustensiles minimalistes faits pour gagner du temps en cuisine et pour s'assurer un petit confort. Personnellement, mon projet, il est déjà opérationnel. La boutique, elle est déjà en ligne et elle est déjà fonctionnelle. Donc le projet, je peux me permettre de dire qu'il est à maturité. Au début, quand j'avais lu sur le site de l'UHA qu'on avait la possibilité d'obtenir le statut d'étudiant entrepreneur lorsqu'on a un projet entrepreneurial étant étudiant, je m'étais dit que l'obtention du statut serait un peu difficile. Je me suis dit, ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette opportunité que beaucoup d'universités n'offrent pas forcément. Ça s'est très bien passé, la procédure est très simple. Il suffit quand même que le projet soit convaincant, qu'il soit, je vais dire, à porte de valeur, que ce soit pour l'étudiant ou que ce soit pour, je vais dire, sa cible. Ce moment-là a été très, 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 très bénéfique, très simple à passer pour moi, contrairement à ce que j'ai pensé au début. Voilà.